Sur le stérilet hormonal, a-t-il une influence sur le désir sexuel? J'ai 36 ans et plus de désir depuis plus de 3 mois. Alors ça, c'est vraiment une question qui est psychosomatique, parce que on parle du stérilet hormonal, mais quasiment toute la quantité d'hormones contenues dans le stérilet est diffusée localement au niveau de l'utérus et ne va pas dans la circulation générale. C'est-à-dire que le cycle de la femme continue à être là. Il y a une ovulation. Alors, il n'y a pas de règle. C'est ça qui est un peu troublant pour les femmes, parce que comme ça entraîne une atrophie de la muqueuse de l'utérus, il n'y a pas de désquamation et donc pas de règle. Mais le cycle a lieu normalement. Donc, on peut se demander, est-ce que vraiment cette quantité minime de progestérone qui circule peut avoir une influence aussi importante sur le désir? Alors, il y a quand même des effets secondaires de cette progestérone circulante, puisqu'il y a des femmes qui ont de l'acné avec ce stérilet, il y a des femmes qui ont une séborrhée, les cheveux très gras. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires locaux, par exemple? Il peut y avoir des douleurs ou des gènes? Les effets locaux, c'est des petits spottings, c'est-à-dire des petits saignements de temps en temps. Ça qui... Alors peut-être que cette femme, elle devrait se poser la question pourquoi elle a été amenée à choisir ce stérilet hormonal. Alors peut-être qu'elle était lasse de prendre la pilule, peut-être que la pilule lui donnait des effets secondaires, peut-être utilisait-il dans le couple le préservatif et ils en avaient assez. Toujours se répéter, peut-être avait-elle aussi des règles fatigantes, parce que ce qui est à craindre, c'est que si elle retire ce stérilet, elle se retrouve à nouveau devant un problème de contraception et aussi de libido. Moi, je ne suis pas du tout certaine que ce soit lié. Alors, dans le doute, si vraiment ça persiste, que sa libido baisse, il faut retirer le stérilet, il faut en faire la preuve et voir ce qui... Faire un essai sans. Faire un essai. Mais en prenant un autre contraceptif, parce que... En prenant un autre contraceptif, mais en sachant mais qu'il soit pas hormonal. Hormonal, parce que... Alors, quand on est hors des contraceptions hormonales, on a le stérilet au cuivre, qui, lui, peut donner des règles abondantes, donc il faut se préoccuper du pourquoi avait été choisi ce stérilet hormonal, et puis le préservatif et le diaphragme. On a vite fait le tour quand on quitte la contraception hormonale, donc voilà, il faut bien se poser les questions et toujours se dire, bah oui, finalement, j'avais choisi ça parce que sous implant, j'étais pas bien, parce que sous pilule, j'étais pas bien. Voilà. Mmh. Donc, essayer de comprendre que ce mal-être, il est peut-être plus général que lié au stérilet hormonal.